Gros nouvelle, mon ami yo, bienvenue. C'est sous TAC 509 ou connecté n'importe côté où yé. Depuis où c'est haïtien, ou doué compte tout ça qui a passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier abonner, commenter, liker, partager vidéo pour travailler là, capable d'avancer. Zami Pao Foucault. Jouette la prenne l'autre face dans le pays d'Haïti. Après ambassade américaine fin traité. Groupe Phantom 609 yo comme un groupe de criminels, kounya la c'est inspection générale la police qui déposait pied la tête. Ou quoi c'est causé? Ou quoi qu'on a passé pour ma raison bi pour rentrer dans habitation, bagay sa belle. Mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien la police révoque yon dal policier et non seulement ça tout, yo lagé à vide recherche de yon paquet lot. Gen bagay, qui est ce policier ça yo? On pourra l'expliquer ou comme petit proverbe créole l'a dit, les ti moun mande bonbon chaud ou balil nan plamel. Donc ça ou tap chercher nan moun da djabla gen lè yo resi joine. Wot pou pays d'Haïti, bagay ça vraiment paraît l'aide li frustre moun et en pile moun met deux mains en tête pour dire ça qui passé monsieur yo là. Eh bien gen yon bus qui sorti et airport qui pote jouer qui sorti nan pays Belizio qui t'a pral jouer ensemble avec Grenadier nan pays d'Haïti nan jou k'ap vini là qui 25 mars, eh bien, mauvaise chance pour yo, yo al tombe bap pou bap ensemble avec Phantom 609 yo, sous route nazon, ra les âmes, sous busa, eh bien, ça qui t'a pral traumatisé tout joué yo et fait gros déclaration puisque c'est pour première fois yo arrivé vivre bagay ça. Mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, inspection générale la police là, mette yon communiqué de yo qui sorti aye 22 mars là que DGPNH là Léon Charles Sien direction générale la police là dit li dénoncer Zak assassinat qui fait sous policier Pierre Mistal Richard ak yon l'autre policier qui blessé par balle par groupe terroriste Phantom 509 jour lundi 22 mars là en Delma 31 à Cour Delma. Communiqué a continué pour le dire que groupe criminel ça existait menace que coordonnateur yo Jean Edler lundi te fait dans la presse côté il t'a annoncé yon lundi cap noir en pile. Donc parole gain puissance monsieur, faire respect nous dans cas ça institution toujours d'après communiqué a déjà la guerre, la justice, derrière maman groupe ça, la psima et la mona, mitan policier, yo ak population. Pis loin, communiqué a dit que la police annonce que li revoke maman groupe Phantom 609 yo, la mette yo en bas code pour voler tout ça qui ta continue mette uniforme la police, yo sou route pour yo revoke yo tout et radio la justice. Enfin, la police présente ses parties li ak famille policier qui tombe ya et promet yo la yo ap accompagne yo nan moment d'où ça. Mesdames, mademoiselles et messieurs, causez en pile, rale tiches ba ou nous sot marcher chercher tout haïtien connecté, fou ko zami info pa ou rentre la kayou, m'pral bo tripotay la nan bon ti mamite. Bonjour, bonsoir tout moun, kouman nouye. Encore une autre fois, m'abdou, merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer ou, et merci pour fidélité ou ak patience ou. Merci parce qu'on like, merci parce qu'on abonne, et merci parce qu'on partage vidéo, ça fait nous plaisir en pile en pile. Encore une autre fois, sauf que tomber sous channel là, pas hésiter à activer cloche notification par là pour pas rater aucune vidéo. C'est Zami Pao Foucault. Il y a nous des chances présenter un petit compte et compte ça, et bien réponse li c'est rache, donc c'est rache lui-même cal casse bois et yo là au vinavel tout on a chauffé tandis que yo mette le nom de pour lui-même, li dormi sans le pas chauffer. Donc mesdames, mademoiselles et messieurs, mes comptes ou abge pour chercher réponse là pour nous pas oublier commenter, ça fait nous plaisir et ça encourager nous continuer travail pi du pour nous porter pi bon pi belle bagaille pour vous. Donc qui ça les wap marcher li marcher ensemble avec vous et les ou camper li camper ensemble avec vous. Qui ça les wap marcher li marcher ensemble avec vous et les ou camper li camper ensemble avec vous. Donc mesdames, mademoiselles et messieurs, sans perdre du temps on entre dans le bulletin de formation parce que matin là causé yo en pile et pas caché d'où la police lui-même sorti toute griffe li pour correspondre avec monsieur dame Phantom 509 yo qui c'est une organisation de criminels selon ambassade américaine. Eh bien nous connaissons depuis bien avant, eh bien inspection générale la police lui-même de déjà mette note dehors quand elle dit monsieur yo si nous pas marcher sous 13 nous, eh bien n'a contré avec zo grand nous. Enfin Phantom 509 réussi contré ensemble avec zo grand yo comme yo saison zombie, eh bien toujours avec zo grand Brigitte.
Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, yon équipe policier qui fait partie de Fantôme, non, qui tout est fait partie de, et comment bah ça arrive encore, SCSPN, SCSPN 17, et mi sorto de a, code pour tout monsieur ça, yon. Aïe, 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 n'a gué m'en rage de yon, parce que, ça qui passe yon, li vraiment frustrant, et bagay l'arrive dans le dernier niveau, pour son équipe policier qui prend formation, qui gué uniforme nan do yo, et puis c'est yo kap koz, jan de action sa. Et bien, milis neg, la police revoke et tout la ge avi de recherche de yo. Donc, nan tête not la li di, individu armé sa yo qui fait partie des groupes terroristes Fantôme 509 la, et bien la police activement ap cherche yo, ak balen kou flash la journée kou la nuit, pour crime, assassinat, destruction bien privé, ak bien l'état, ak l'autre bagay encore. Nous gen Jean Elder, lundi, monsieur c'est porte-parole SPNH là. Donc, c'est monsieur qui t'a annoncé, lundi ça, ap yon lundi qui noua, et lundi apparaît tout, et non, j'ai li, si pas de fin noua net. Parce que la police t'est arrivé, ambassade américaine t'est fait coup bal là, li pas de fin noua net, entre la journée et la nuit, t'es gon éclipse. Voilà journée hier t'es gon éclipse solaire avec lunaire. Voilà et qu'on s'ajoute et puis tout n'a continué l'histoire là un bel petit garçon monsieur monsieur le Alexandre Pascal yon policier et bien yon la gavi de recherche d'elle yon cherche le tout côté dans quatre coins ville là gagné Albert son gros nègre, mais monsieur tout yop chèchel, ses parents. Gay lui Luther, monsieur encore c'est un policier qui active, yop chèche monsieur tout et yop pren. Gay Antoine Dario, monsieur a des tissus, wap kon jangeri, wap une grande Brigitte parce que code pour, c'est pas blague. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, gay Jules, James, Josué, gay l'ispa yopi long que l'autre. Eh bien, monsieur lui-même, li son ex-policier. Yo te révoqué pour assassinat. Est-ce qu'on t'en est désin? Ça veut dire, non, Fantôme 509, là, mesdames, mademoiselles et messieurs. Gagne la police à chercher, gagne un assassinat. Yo fait tout bagay net, gagne un volet, comme Fantôme 509, là, yo ap choy, puis yo légaliser. Eh bien, nous pas gagne, puisque la police libe, mi dit non, bagay la baka passe comme ça. Sak passe, ya, eh bien, Fantôme 509 réussit rive nan bout li, ne yo krasé, yo boule, yo lage prison, yo font paquet bagay, eh bien, hier, sak passe, ya. Abraham 17 assez ça pas fait encore. Donc non sans ça tout monde qui en l'air tout monde qui à la tête yo tout saisi yo tout déposé la patte sous yo puisque yo bat ko trop dans pays ya yo fait trop dégâts. N'a continué mais pour qui ça yo reproché Jules James Josué j'yo fait manifestation nan nous. Voilà mes amis, assassinat, incendie, criminel, complot contre la sûreté intérieure de l'État, membre actif de l'organisation criminelle Fantôme 509. Voilà. En cas d'identification ou de localisation, mesdames, mademoiselles et messieurs, pas oublier relais dans le numéro ça, 38 38 11 11 et 31 06 05 73. N'a continué l'isla pour vous? Eh bien, la police tague avis de recherche tout des noms ça, qui relais Jeffra Gerbi alias Machine. Li son membre actif, Fantôme 609. Yon reproche de assassinat, tentative assassinat, atteinte à la sûreté intérieure de l'État, destruction des biens publics et privés. Donc, même numéro, si toutefois, t'as remarqué, monsieur Sayo, yon côté, pas hésiter la police pour mettre zombie yo en bas code. Donc, je suis dit, si on a déroulé là, mesdames, mademoiselles et messieurs, est-ce qu'on connaît si maître André Michel Badbounda lui a foutu les codes? Comme il s'était déclaré lui-même, les gars pour le reste du pays, ensemble! Ensemble, après du pays, depuis c'est Jovenel qui préside. Eh bien, maître André Michel, ça me cadou. Comme yon gonne, sinon, monsieur, balide, ah oui. Et go toutou. Eh bien, monsieur, go toutou. Moi-même, m'plie tikem tout doucement, m'foure l'en bas votre moi. Parce que ça, moi, qu'pral passe, monsieur Fantôme 609, yon là. Et pas oublié, déjà, la police, là, qui a vu des recherches derrière, ancien magistrat Port-au-Prince, là. Youri Chevry, youri tout couru, et puis sortant de la Pierre Espérance, bah, li couverti, li servil comme dra, li dit pas voye le tourner pour le vin jige, il tourait l'autre bord. Donc, ça yo gen le Pierre Espérance, pourquoi qu'a écrit pour yo, ou bien li pa ka dit, pas vini, rete kote
côté nous y a, mais monsieur ça ou bel et bien Haïti, tout nèg obligé pè bouche parce que ça qui passé là, est vraiment grave pour un moment où un policier a tiré sous policier et tué policier, policier qui décide de servir pays, policier qui pas impliqué dans vieux zak brigand a écrasé brisé ça ou parce que sort qu'a passé là, si inspection générale, si la justice pas de poursuivre monsieur fantôme 509 yo, eh bien bel et bien et même la nature t'a poursuivre parce que bagala vraiment triste et difficile. En un pays d'Haïti, mesdames, mademoiselles et messieurs, même quand on fin gon ti machine ou sorti l'autre bord ensemble avec ou voel, le arrivé dans droit nous pral acheter machine là encore c'est un. Et l'autre si mette papier passé DG yon paquet process, kounya la les ti machine ça dans la ria nan mon en fond récit qui était marche à pied. Sak passe ou al kwaza fantôme et puis sortant de ya, monsieur sa yo dou bam kle a kwaze machine nan an route la. Sou ap fè rebellion ou ap try pou ou ap try pou sou ka rentre ensemble avec pendant ou ap fè mouvement pou descendre, se gado gado ou David de ya getan vide ou bien ou gaz getap simen sou ti machine sa ke ou redi ou fè sacrifice. Filet bœuf te toujours existé, restaurant grand restaurant te toujours existé, mais ou fè sacrifice ou redi pou acheter ti machine nan yon façon pour retirer pour traverser un impasse dans la vie ou, et non seulement ça tout, pour quitter une étape pour l'autre étape, pour un monsieur ça ou choisi, redescendre ou mettre au même côté, bah, là, pas facile. Eh bien, ça, ou t'as cherché dans mon diable, comme les zombies, y aurait 6 jours. Bagay ça, mesdames, mademoiselles et messieurs, nous pas qu'à parler le trop fort pour tellement nous honte, ou qu'on doit les chiens péter l'église. C'est parti, bagay piti, non? Yon équipe, joue football, qui sorti dans le pays Belize, qui vient jouer dans le pays d'Haïti, donc il y a pour jouer match ça 25 mars qui vient là. Les messieurs descendent et portent, ils ont fait photo, dit ou atterri dans le pays d'Haïti, tout bagay ok. Eh bien, mauvaise chance pour yo et mauvaise chance pour Fantôme 509 tout, parce que rapidement ambassade américaine va correspondre avec yo, ni inspection générale la police, la justice tout toute là-dedans. Kounya la, mesdames, mademoiselles et messieurs, j'en ap gade ti vidéo sa kap déroulé. Pendant yon sout nazon ap monte pou yon al nan hôtel, yon kwaza Fantôme 509 yon. Sotande yon kon le monsieur sa yon mache se pil moto, negaza mate, et puis sotande yon se comme si yon tan kon la me kap dédoublé, ou pa ka comprenn yon. Et yon très agressif. Eh bien, formation belizienne, yo traumatisé. Bagay la traumatisé joué yo. Nan tout pays sous la terre, tande bien. Là, on compte des manifestations et puis yon pays en guerre. Donc, entre yo, si yon équipe étrangère qui débarque qui pas de koné, eh bien, debout groupe moun sa yo pral rive parce que yo pas impliqué, yo pa konn sa ka passe nan pays ou la. Sa ka passe, yo ap range kòy yo bay équipe la ale kote yo pral ya puisque yo pa an afè ensemble avec moun sa yo. Mais on dirait moun ki nan Fantôme 509 yo non seulement yo fè des ordres, yo son équipe zombie rebelle et yo pa rien tout. Les actions an vini en face yo, les situations présentées alors en face yo. Yo pa konn sa yo fè parce que ou son équipe sadique qui nan la ria. Koun ya la, rale zam sou bis, yon équipe étranger en dedans yon bis, yo konn tande parler de Haïti, yo pote ko chanm konn sak pays d'Haïti, comme ou konnen, équipe sa yo lè ap débarqué toujours gen policier qui en dedans machine. Et bien c'est 4 policiers qui en dedans qui descend kay parler ensemble avec monsieur yo. Lè al parle ensemble avec aussi en pak, c'est un paquet temps yo prend en barre di négocier qui la cause yo ouvert bay bus sa passé pour la les côtés le pralé pour yo arriver dans hôtel. Et bien si monsieur était vraiment traumatisé puisque yo sorti dans pays yo pas qu'on vive yon bagay comme ça, imagine au propre entrer dans pays première fois ou atterri et puis c'est accueil ça ou joine. Franchement les arrivé dans pays yo pas besoin d'ou ça yo pral di sous pays d'Haïti. Et c'est là une note yo mettez dehors tout mesdames, mademoiselles et messieurs. Donc oui, yo arrivé yo en sécurité dans hôtel yo, mais mental yo poko et nan niveau qui normal pour être si capable jouer match ça nan jou kap vini la qui c'est 25 mars là. Comme étant donné jeudi à 22, nous espérons dans 2 jours ça yo et autorité yo et non seulement ça tout et chef en tête équipe là, tout staff là net a parlé ensemble avec yo yon façon pour capable monter moral yo puisque c'est sous la terre ou capable contrer avec n'importe bagay. Mais franchement, ça qui passe hier mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est vraiment critique et m'pa caché d'où en pile moun ou pays d'Haïti yon l'autre façon malgré Jean Otewel là, il était toujours
high level, on ti jan dérange tout moun oui. Mais qu'on y a là, bagay la vin pi compliqué puisque monsieur qui nan fantôme, qui fait partie de fantôme 509 yo, éducation yo pas fait du tout. En tant que ancien policier quand même, ou ka van zouti moun pa blie métier, gè de moun ki présenté en face ou oblige tekelizi ou oblige karmate ou senyol, yon façon pou kapab bay moun sa passe parce que li même li pa impliqué nan bagay sa. C'est même jan tout, si monsieur te kontre yon ambulance ki ta avec une femme enceinte qui pral accoucher femme ça t'es ka mouri ti moun nan t'es ka mouri nan passage tout puisque yo t'ap campé bus la yo pa bali passer tout ça yo c'est exception malgré toute manifestation qu'on wè gagné si gon machine c'est ambulance lié k'ap passer ou supposé campé bali passer puisque si gon incident qui rivé pendant ou manifesté a émission ambulance k'ap ka courir vinn pon puisque moto pa ka fait tout trajet gon façon moun nan blessé ou obligé allonger pour rete en vie pour rive l'hôpital parce que sac à moto al pap ka prendre. Donc monsieur sac passé li vraiment laid li vraiment humiliant et m pa cacher dou bagay la touche m li fait mal tout parce que si m tap entre dans l'autre pays et puis m jwenn un accueil comme ça franchement m tap dégoûté pays et m pa tap chanm mandé pour m retourner côté comme ça. Dernier coup pour tout yon coucou, c'est que, eh bien, après ça que fin passé à inspection générale la police mette yon communiqué d'ailleurs qui s'y est pas, DGPNH là, qui c'est Léon Charles, eh bien, la police dit, il dénonce Zach assassinat, qui fait sous policier, Pierre Mistal, Richard, avec un autre policier qui blessé par balle, par groupe Fantôme 509, yon, nan jour qui te lundi, 22 mars là, nan angle Delma 31, ak route Delma. Communiqué a continué pour le dire que groupe criminel ça exécuté menace que coordonnateur yo Jean Edler lundi te fait dans la presse côté te annoncé yon lundi cap noir. Institution toujours d'après communiqué ça, déjà la justice derrière même groupe ça cap si maye la mort nan mitan policier yo ak population pi loin communiqué a dit que la police annoncé que li révoqué même groupe Fantôme 509 yo et la mette tout en bas code séparance et si yo continue mette uniforme la police la sou yo après révocation yo a joine ak zo gran yo toujours. Enfin la police présente se parti li ak famille policier qui tombé et promettre yo l'ap accompagner yo nan moment doule sa. Gros nouvelle. Mon ami yo, bienvenue. C'est sous Tax 509 ou connecté n'importe côté où yé. Depuis ou c'est haïtien, ou doué compte tout sa kap passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier abonner, commenter, liker, partager vidéo pour travailler là capable avancer zami pa ou fouko. Actualité ap mené nous d'abord dans le pays d'Haïti, puis précisément dans la capitale là, Port-au-Prince, côté yon policier mouri et gagnon l'autre qui blessé. Dans ça qui t'a semblé yon affrontement entre la police avec groupe policier qui relait tête yo Fantôme 509 là, nous gagnons sous place dans Port-au-Prince et correspondant nous, Massado Vilme, Sokadi nous sous question de policier ça qui mouri avec t'a semblé que gagnon l'autre tout qui blessé. Justement, Jacques Mobilizer, c'est un agent qui est dans l'unité départementale médecine de Poudlot. Eh bien, on connaît depuis la semaine passée, depuis après l'opération de la police, c'est comme en dehors de la Zébia. Eh bien, il y a un groupe policier qui est regroupé cette chose et Fantôme 509 accompagné des membres du syndicat police nationale. Il y a même qui sont dans la rue accompagné de quelques populations. Eh bien, c'est dans la rue pour être capable de border ensemble avec eux et major. Pour faire façon pour faire un cadavre là. Eh bien, même je dis encore, il était déjà annoncé qu'il a pris la rue. Tant qu'il était annoncé, lui, il a pris la rue. Eh bien, il fait Delma 32. Eh bien, côté la police qui a monté garde dans la zone Delma 32, qui a imposé groupe policier, protestataire eux-mêmes, continuer avec parcours, c'est lancé gaz lacrymogène. Ça, qui s'appelle la cause, eh bien, il y a un affrontement entre policiers qui a manifesté avec Sila qui a monté garde dans la zone Delma 32. Ça, qui la cause. Donc, on dit qu'il y a un agent immobilisé et puis il y a l'autre qui fait de la vie. Nous avons essayé d'entrer en contact avec le haut commandement de la police nationale là pour nous faire éclaircissement, pour nous gagner l'autre précision encore. Mais malheureusement, nous n'avons pas réussi à joindre. Et c'est aussi très difficile pour joindre le directeur général là, pour joindre le porte-parole là. C'est très difficile selon sa éthique journalistique là, mandez-nous. Et ça veut dire que pas gagner l'autre incident encore. Massado, parce que nous connaissons que les fantômes 509 dehors sont l'autre niveau. Les gens qui ont gagné un affrontement, c'est deux groupes de monde quand même qui gagnent un affrontement. Ça qui te fait, le groupe policier fantôme 509, ils ont gagné.
et tout de suite, parce qu'elle était à peine sortie, quand nous disons qu'elle était à peine sortie, bon, après, au fin de carrière, c'est pas du personne monde qui était vraiment ouest ratio, à part de, ça qui était météo, beaucoup de panique sous Delma, côté, côté magasin qui était déjà le plus fort, qui était obligé à fermer, élève de l'école était obligé à courir, rentrer la caillotte, machin qui était étalé pour qu'il y ait sous autre droit, qui obligé à ramasser à faire, et puis quitter la rue. Et puis, Massia donnant quelques points qui ont dominé l'actualité, nous voyons que la police nationale fait sortir une note sur ce qui est passé semaine dernière, puis précisément dans ce qui est passé dans Universal Motors et Dr. Boulos. Comme nous disons, Jacques Lebelizer, c'est un autre qui soulevait un pile réaction, surtout dans la capitale là, surtout bon côté de la politique là. Le fait que la police nationale là lui-même, lui confirmait, eh bien, Jean-Daniel Michel, qui c'est un policier qui t'a manifesté, eh bien, côté il t'a fait comprendre que le policier a perdu la vie pendant un pillage dans Universal Motors. Ça, nous connaissons pas bien que j'ai une action, ça, évidemment, ça s'est déroulé dans le passé. Après, policiers protestataires ont toujours été libérés. Cette police au niveau de matin 3, eh bien, policier ça a quitté une tête de la ville. Le fait que je me connaisse que si c'était un policier, c'est par rapport avec notre police nationale, là, lui-même, qui voulait faire connaître que c'est Jean-Daniel Michel qui t'a dit la ville pendant que bandit est venu sauver. C'est ça, on a pris ça qui est pris dans notre là. Pendant que Gagné est bandit qui est venu. Vin porter secours avec ces entreprises là que les protestataires eux-mêmes ils pas sauté plus. Et donc ça veut dire que nous pouvons gagner réaction docteur Boulos, peut-être que nous avons entré en contact avec docteur Réginald Boulos sous question ça après notre police nationale là mettez dehors. Et puis dans l'autre point qui a dominé l'actualité Massado Vinme pendant week-end là, puis précisément hier tu as gagné un groupe protestant qui était entré dans le village de Dieu. Justement, Jacques Lebelizer, il était sorti au niveau de Fontamara 43, on a parlé de toujours rentrer sur la capitale et commune Kafou. Eh bien, vous protestez, même été évangélisé et groupe monde qui a évolué avec Zam Ander Village de Dieu. Nous connaissons les derniers jours, Village de Dieu fait un film parler de lui. Ouais, ça me dit là, le fait qu'il y ait un monde qui a évolué en dessous. Donc, eh bien, protestant, eux-mêmes, qui demandaient ensemble avec monsieur ou dame qui a étudié un examen dans mes yeux pour déposer les examens, ils ont fait appel avec la paix pour changer le comportement. Mais juste avant que nous finissions, Jacques Lebelizer, nous disons que les policiers qui ont joué une libération et dans la manifestation qui est fantôme pour tous les sectionnaires qui ont réalisé depuis quelques jours, eh bien, c'est Guéret là-dedans qui retournait cette chose dans la David, qui retournait à fermer le commissariat. Donc, il a souhaité vraiment vrai que jouait une libération qui légale. Eh bien, nous tous, c'est une décision qui recommande la police à lui-même. Il a apprécié bon côté policier, ça y est, qui était une libération en bas de fantôme sectionnaire, eh bien, qui retournait encore dans la David. Et globalement, Massado, pour le finir, qui genre capital là y est ou est zone? Environnant yo, t'assemble gen la pluie, qui y'a ça y? Dans le moment d'appel ensemble, nous avons gagné un gros la pluie qui a tombé, et ce n'est pas seulement aujourd'hui, c'est depuis avant-hier, et bien, il y a un pluie qui tombe, surtout, il y a ça qui a créé un pile panique dans notre sud-capital là, le fait qu'on connaît la pluie, qui tombe bien, il y a un pile de l'eau descend. Dans le moment d'appel ensemble, nous avons gagné un gros la pluie qui a tombé dans quelques zones la capitale là, surtout dans notre sud capitale là. Merci Massado. Massado Vilme, c'est correspondant service que la Voix de l'Amérique là. Il était pas là avec nous depuis Port-au-Prince, dans le pays d'Haïti. L'autre point dans l'actualité, toujours dossier qui a un rapport avec échec opération policière qui était faite vendredi 12 mars qui s'est passé là et qui la cause l'homme au moins 4 policiers, toujours dans l'actualité. D'ailleurs, parents. Et Tankou et frère dame yo bien tout y a continué à demander corps victime yo pour capable rendre un dernier hommage. Yon reportage Renat Toussaint à considération technique ancien colonel Himmler Rebu. Presque gain 15 jours depuis 5 policiers haïtiens perdu la vie dans village de Dieu dans cadre yon opération la police menait contre nèg armé dans quartier ça. Jusqu'à présent autorité replacée dans l'état pour qu'on kabay information précise. Sous question ça, malgré ces dossiers qui provoquaient un pile controverse en dans la société haïtienne, pendant que famille policiers victimes continuaient à demander cadavres. En pile manifestation déjà déroulée dans ce sens, il y a des gens qui dit que
gros l'argent bail pour récupérer blindé la police négame au Tékembéan, mais Léon Charles, DGPNH, démenti information ça. La police n'a pas engagé aucune négociation avec bandit village de Dieu pour récupération blindé. Ancien colonel Humley Rebi dit que la difficile pour la police t'a récupéré cadavre policier victime. Très difficile, la police est entrée pour te al neutraliser bandit. Il va arriver neutraliser bandit. On y a pour le montre opération pour la prendre cadavre. Si vous la prenez cadavre, il faut le cap neutraliser bandit. D'ailleurs, colonel Rebi fait connaître que mode d'opération, hein, pas de bon, c'est ça que fait policier victime. Pas cap attaquer sans qu'on pas une certitude. Parce que c'est pas une attaque militaire. Son opération policière. L'opération policière est précise. Ça veut dire que moun mwen pral attaquer a li nan tel kay. Mwen pa ka attaquer kay la pou moun nan pa la. Et pour me sûr que la forme gen on information certaine. Donc tout plan que me prépare a, toute mise en œuvre là, li fait pour faire à partir d'informations. Maintenant si gen une information qui change entre-temps, et moi fait pour me connaître et seul gens pour me connaître faut me gon contact visuel avec côté me praler a c'est pas même bagarre avec une opération militaire ou une opération militaire c'est zone physique là on est que vérifier que mon là rentre baliser ça c'est une opération militaire il pas dans trier mais l'autre font opération et en dans un village ou pas capable provoquer un carnage et c'est une raison que monsieur aurait été à l'intérieur population hein. Il a développé des relations avec la population hein, qui, dans la réalité, vient servir de bouclier, qui rend l'opération troupes d'attaque plus difficile. Donc ça veut dire que la exigence de précision hein, vient confirmer parce qu'il faut éviter l'Europe attaquer Mungi Bandia pour ne pas descendre une série de Mungi Bagan pour rien dans ça. Ancien colonel Humley Rebi recommandait pour que la police nationale d'Haïti verrouille zone village de Dieu hein, jusqu'à ce que l'imare bandi yo. Ça plus difficile en matière d'opération, c'est arriver localiser qui boit menace là. Dès lors qu'on joue un point côté menace là, qui s'allie moun yap kidnappé entre sorti. Donc on est verrouillé espace là. Dès qu'on verrouille espace là, premièrement, même si moun ki ta dehors. Les kidnappants, c'est difficile pour venir entrer dans l'espace pour verrouiller avec. C'est bon, bah, du point de vue opérationnel qui est difficile. Et là, on n'a pas même besoin de tirer coup de fusil. Maintenant, si on est venu pour le démonter verrou, on montre qu'ils sont verrou tout bon. Et ça permet que on vienne en affaire avec l'agresseur directement. Parce que l'homme est verrou a bien nenni, on est obligé de porter tête pour le déverrouiller verrou. Donc les salis c'est lick pour tes têtes là bas où c'est bon, même pas les difficultés à la donner parce que toute difficulté qui gagne c'est les yo en dans population maintenant sous pas de côté de briver localiser côté moun là c'est déterminer nombre yo et qui quantité yo qui qualité zam yo gagne d'ailleurs on va même besoin chercher information ça c'est eux même qui baoul et dans télévision tout le temps dans sous réseaux sociaux tout le temps. Maintenant, c'est n'est que vérifier information ça. Différents secteurs dans la vie nationale l'ont annoncé, y a continué mobiliser pour demander aux autorités compétentes non seulement pour faire lumière sur dossier policier victime Villa de Dieu, mais tout y a réclamé cadavre. Sous place, dans la capitale haïtienne, moi c'est Wena Toussaint pour la Voix de l'Amérique. Port-au-Prince. Donc, village de Dieu toujours été dans l'actualité, non seulement à cause de opérations qui soldées par la mort, 4 policiers au moins, mais tout, il y a président Jovenel Moïse qui dit, monsieur, que la paraît sous yo et avec un pile force. Donc, un pile monde dit qu'il y a tant moment ça. Et puis, pendant ce temps, il y a un leader dans la société civile, Joseph Domingue Orgela. Lui-même lui mandé ouverture yon enquête internationale indépendante pour fixer responsabilité chaque monde dans le commandement de la police là par rapport à échec dans opération 12 mars 2021 dans village de Dieu. Monsieur Orgela a expliqué dans micro Renan Toussaint pour qui ça yon enquête internationale indépendante. Pour qui ça yon enquête internationale?
c'est pas parce que nous pas croyons dans ensemble institution qui dans pays. C'est par rapport à polarisation qui gagne. Parce que le noué yo cap dans la police là qui est en monté dans une émission télévisée pour le dire très clairement mais qui moun qui responsable échec opération et l'entendé inspecteur Calan Boucher qui dit li pas gagné comment nous dit à qui profite le crime et c'est sous base ça nous venons estimer gagner un bras de fer dans haut état major la police là sous question seul gens pour nous joindre la vérité faut gagner une enquête indépendante qui fait pour nous dire très clairement un qui moun qui te bail l'ordre pour opération à lancer deux qui est-ce qui était aux commandes parce qu'il faut mon chef d'opération qui est-ce qui était chef d'opération ça trois qui est-ce qui était là pour te renfort parce que tout le monde tendait cri policiers qui a dit yo en danger et pour qui ça opération comme ça t'es gagné une petite quantité policiers comme ça qui était affecté. Renfort pas ta doué loin, renfort ta doué tout près. Parce que là, on prend disposition pour faire une opération, faut effectivement on parie pour ça. Seul gens qui ont retrouvé la vérité, c'est pour gagner une enquête indépendante qui fait, qui pour permettre non seulement pays à rejoindre escamp figil, parce que là, nous, t'es déjà à terre, on y en a drivé dans la boue. Parce que seul ça nous dégage comme force sécurité, maintenant qui est alvénier. Et c'est même bagaille ça qui est passé la médaille. Côté, au commandement, tu es venu pas gagner crédit devant rescore. Et journée jeudi, tout ça qui a fait dans la rue a montré commandement pas gagner contrôle sur la police. C'était Joseph Domingue Orgela qui est un leader dans la société civile lui-même qui a demandé une enquête indépendante internationale pour capable faire lumière sous opération ratée la police nationale t'a fait dans village de Dieu vendredi 12 mars là côté au moins 4 policiers perdu la vie et plusieurs qui était blessé donc son situation qui toujours dans actualité a et puis pendant ce temps gain inspecteur général là Karl-Henri Boucher lui-même qui en isolement selon premier élément enquête là d'après ça même directeur police nationale là et Léon Charles t'es dit dans une présentation que t'es fait sous télévision. Donc ou sous la voix de l'Amérique, nous permettre depuis Washington DC, nous saluons tout le monde qui a écouté nous sur toute plateforme nous. Nous disons merci d'être été fidèle avec la voix de l'Amérique. Qu'on y a ces moments pour nous passer une annonce service public la voix de l'Amérique dans Washington. Oui, attention pas capon, mettre corvée corps, grand monde pas jouer. Donc c'était une annonce service public la voix de l'Amérique dans Washington qu'on a ces moments pour nous passer dans actualité ici aux États-Unis quelques points et ben gagner d'abord le secrétaire d'État américain Anthony Blinken lui-même cap visiter l'Europe et il a bien pour le rencontrer avec alliés États-Unis dans l'OTAN et très naturellement il va parler de retrait troupes en Afghanistan gagner yon délai pour sa fête mais administration Biden Harris là toujours a fait considération sous question ça et puis pendant cette administration américaine là il même pour fixer yon date pour le bail yon réponse appropriée sous Timoun cap qui trouvé sous frontière et que les États-Unis partagé avec Mexique font dit que administration Harris et Biden Harris là lui-même les critiquer administration qui était là en vendant administration président Donald Trump là pour Jean yo détériorer système immigration pays. Jean-Robert Philippe gain détail sur question ça.
Effectivement, Jacqueline, son dossier qui est en combat, elle, qui est maintenant deux points dans l'administration. Pendant que l'administration a préjoui de ce qui passé, de vote, par exemple, que le Congrès a fait dernièrement là, elle a été approuvé projet de loi sur immigration. Elle n'a pas eu de chambre députée qui suit de poudre mesure. Eh bien, bon, bah, elle n'a pas aussi facile sur le plan d'immigration pour Timoun Sayo, avec famille Sayo, qui souffrent déjà depuis quelque temps et qui sont ces conditions pas minimes, pas optimales pour eux-mêmes. Et c'est comme ça, par exemple, l'administration a dépêché actuellement trois autobrés pour aller au Mexique, ensuite au Guatemala, pour aller parler avec le ministre Affaires étrangères, pays Sayo, pour discuter des questions qui ont pour avec l'immigration. Je rappelle que les questions immigrants, c'est dans la zone Sahara passé, les plus élevés sous frontières. Je dis par exemple, d'après sa nouvelle média rapportée, 75% de monde qui par accompagné avec parents qui vivent sous frontières, ils sont exactement sortis dans Guatemala, Salvador, et ils sont sortis au Mexique. Qui là. Donc, ça veut dire que l'administration a pensé qu'il n'y a pas de résoudre le problème depuis la racine qui est là. Donc, c'est mission 3 autobus à gagner. Depuis jeudi, il y a eu au Mexique, ensuite, il y a eu au Guatemala, puis à discuter avec l'autorité. Mais son dossier que même le président Biden a promis pour le fond de bagaille, mais il n'y a pas de clair exactement pour une date précise qu'il a résolu le problème. Ça. Pression a fait pour l'administration américaine à mettre sous pied pressé une politique sous façon pour aborder situation Timoun qui sous frontière États-Unis partagée avec Mexique. The message is quite clear, do not come. The border is closed, the border is secure. Responsable sécurité intérieure américain Alejandro Mayorkas qui a participé dans programme de télévision ABC This Week déclaré message là clair, pas venir. Frontière fermée, frontière en sécurité. C'est message administration Biden nan nan moment quand les migrants cap débarqué sur frontière sud pays a rivé nan niveau pi élevé li jam rivé depuis 20 dernières années yo d'après administration. Administration qui refait la pandémie déclaré jeudi a c'est pas moment pour monde voyager. Autorité expulsé monde qui fait voyage là pour compte yo et qui représentait majorité nan voyageur yo excepté ti moun yo. L'administration Biden nan a plité pour joindre moyen pour héberger Timoun Sayo qui vivait sous frontière sans parents. L'administration a fait connaître li doit reconstruire système d'immigration que ancienne administration a été démantibilé. Ministre sécurité intérieure Alejandro Mayorkas parlait pour dire we are rebuilding the system as we address the needs of vulnerable children who arrive at our borders. N'a pas reconstruit le système d'immigration pendant que n'a pas cherché une solution pour tout le monde vulnérable qui sous frontière. Quelques parlementaires républicains font connaître Biden qui a créé situation avec message manqué mélange lié et qui mettait fin dans la politique rété au Mexique tromplant. D'après politique ça, monde qui a cherché asile aux États-Unis doit tendre au Mexique pendant un juge a étudié dossier. Politique tomblante et découragé vient chercher asile aux États-Unis, monde qui soutient en Honduras, Guatemala avec l'autre pays. Député républicain Michael McCaul, qui a participé dans le programme chaîne télévision ABC This Week, parle pour dire It's going to get worse. It's going to get a lot worse. Springtime, summer, more and more come mal. La vie est plus grave pendant la saison printemps avec été. Yo recevoir un message qui m'a dit de retourner à cause de gain un nouveau président. Nous mettre vini activité recommencer pour trafiquant yo. Moins prédit que 1 million moun pral essayer entrer aux États-Unis d'ici saison été. D'après règlement yo, ti moun yo doit rester en détention pour seulement 3 jours avant remettre yo dans un abri pour mineurs. Semaine passée, administration a ouvert 3 nouveaux centres, mais yo pas voulu fixer un délai pour ouvrir plus centres toujours qu'à permettre yo faire face avec augmentation immigrants. Qu'abriver sous frontière pas bon et pas paquet. Petit genre compliqué sous frontière et les États-Unis partagés avec Mexique et spécialiste dit Jean-Robert que et problème dans c'est que frontière pas là pour t'accueillir tout le monde et tout le monde dans l'âge ça yo besoin un accueil spécial Jean-Robert. Effectivement.
Effectivement, et côté maison abri, côté abri de Timounio, il n'est pas fait pour ça. Et c'est un militant qui a défendu droit Timounio, militant qui a défendu immigrant. Et bien, c'est ça, il dit que conditions sont pas bonnes pour mettre Timounio. D'ailleurs, si la loi dit que après 3 jours, Timounio sorti côté de pour aller de l'autre côté. Donc, c'est tout problème ça que l'administration a en main. Pendant que il y a un problème interne qui a cherché à résoudre, mais tout problème pour résoudre là, problème sous frontière, que d'ailleurs, que l'administration a été déjà metté parce que parlait depuis longtemps, il était parlé de côté. Il y a des côtés, c'était dans le cage que tu mettais. En fait, l'administration, ton grand dit que lui-même, il n'est pas responsable de ce que tu as passé sous frontière parce que l'administration, en vend là, c'est lui qui était occasionné, il était qu'on fait bail ça. Mais, le problème n'a pas résolu. Et Timoun Sayo, et c'est de jour en jour, il a bien. C'est ça fait que peut-être l'administration pensait qu'aller discuter avec dirigeants mexicains et dirigeants guatémaltèques pour discuter de questions, ça, c'est capable ou pas dans la bonne direction, même si c'est capable pas idéal. Merci Jean-Robert Philippe. Et merci Jean-Robert Philippe. Tu as parlé de immigration ici aux États-Unis. C'est une situation qui est très compliquée pour l'administration. Harris et Biden Harris là, surtout que eh ben dans le Congrès et toute bagarre pas passé rapide, genre que peut-être administration les mêmes et tavlil. Donc il y a un dossier que n'a pas su pour n'importe qu'on y a dans le pays d'Haïti pour nous parler de égalité femme et garçon, c'est une rubrique que correspondant de n'importe quoi, Florence Lisney présenté pour nous et aujourd'hui elle pourra parler nous de yon moun spécial qui sont 10 jokers yon female anglais a dit yon fiki 10 jokers yon bagay que nous pas être facile. Me souhaitais que Tony Mix a encouragé madame ça et Florence Lisney. Dans ce segment égalité entre femmes et garçons pour semaine ça n'a continué parler de Kemisa Tressil yon DJ, mais nous pral mettre accent sur Kemisa Tressil qui c'est un militant féministe. Nan jou pase yo, nou te wè inégalité ki genyen nan monde dis joker yo. Kote nou te prezante ou Kemisa Tressil ki d'accord chanje donné yo et rentre nan yon profession ki konsidere kom monde monsieur yo. Li se tou yon jiris, mais devan inégalité ak violence mesdames yo ap sibi, li choisi rentre nan batay pou droit mesdames yo. Mwen toujou di mwen se féministe, mwen pa pè di, tout autant gen yon société patriarcale, tout autant gen machiste, sexiste, mwen toujou féministe parce que tout autant gen koz femme pou défend, mwen toujou féministe. Et c'est comme ça m fè face à inégalité sa yo, nan toujou pote vwa m piwo pou m dénoncer sa kapèt la et tout éduquer pi jeune yo à travers et passion ki sa mwen faire montrer et tout, mais qui j'ai pour nous gérer tête nous, mais qui j'ai pour nous faire face à ces obstacles que nous allons rencontrer. Parce qu'il y a toujours là, c'est pas dire mon à l'intérieur, parce que ça va faire que l'obstacle est passé, l'obstacle est toujours là, mais c'est montrer pour l'éducation qui j'ai eu à faire pour surmonter et certains obstacles. D'ailleurs, ce constat inégalité ça y est qui te motive pour impliquer plus dans la branche 10 Joker. Que quelqu'un de femme qui n'a pas accès à des séries de métiers, de professions, que pas évolué là-dedans, que le fait que son femme seulement, ça a déjà un obstacle, ça pourrait faire un gros déclic dans tête, qui fait que même si j'ai commencé et DJ au début pour hobby, comme et en passant, même j'ai réalisé que son bail important pour continuer là-dedans, pour persévérer là-dedans, pour montrer que femme yo même tout sont capables, depuis nous avons talent, depuis nous avons évolué là-dedans, depuis nous persévérer, depuis une technique là, depuis une discipline, méthodologie à nous qui a évolué là-dedans. Et c'est comme ça que nous avons continué à évoluer dans le domaine DJ, parce que nous avons que l'autre jeune fille tout qui a un talent, qui a aimé et entreprendre et encore DJ pour connaître que le monde qui a essayé, qui a ouvert pour la pour nous et pour persévérer là-dedans. Et chaque jour, il fait face à l'inégalité qui gagne dans le monde. Il y a des sujets tabous, tant pour l'enseignement qui est très présent dans le domaine comme ça, vu que dans la mentalité, souvent considérer les femmes comme un objet sexuel, social surtout. Donc, il est important pour la conversation que ça a fait, pour le sujet ou parler de tabou, pour nous dénoncer et tout. Et peut-être arriver à changer de mentalité. Parce que si nous ne parlons jamais parler de ça, mentalité a toujours perduré, on a toujours transmettre et même mentalité. Ça. Donc c'est pour ça qu'il est important pour parler de ça, pour renverser la mentalité. Ça. DJ, c'est bien, mais Kemisa Pachita sous exploitation talent, ça, il y a un seulement.
C'est pour ça les encourager mesdames yo, pas chita sous talent yo seulement, mais pour mettre accent tout sous études supérieures. Toujours encadrer passion nous avec en formation parce que c'est ça qui permet nous carrière nous évoluer. Et pas parce que et passion et on pas évoluer là-dedans 100%, non, mais c'est justement plus ça cap aide encadrer passion là maintenant plus loin. Donc c'est toujours important pour encadrer parce que université a qui ça base. Et talent donné mais université a les vinn bon technique là pour en tout cas, mesdames et messieurs, yon femme qui lui-même rentre dans le monde DJ et qui réussit. Comme ça, il n'y a pas de gain pour yon paix pour monter terrain ça, mais il y a de gain pour yon goumen pour imposer yon. Et jeune fille, m'a conseillé toujours un cadre de tête à l'éducation. Connaît que les apprentis nos batailles à bien pile obstacle devant nous. Et toujours croire que et nous capables de croire dans tête nous et pas limiter tête dans la société. Et fait tout le monde accepter. Même gens, vous avez accepté un garçon. Florence Lisney Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci Florence Lisney. C'est avec rubrique ça, égalité femmes et garçons, que nous avons mis fin dans le programme dans l'après-midi. Nous voulons remercier tout le monde qui a participé là-dedans. Franklin, bon ami nous qui remet Haïti. Et nous saluons Mike Frank, Jean-Robert Philippe, Cavalier Paul Canou. Et nous signalons la présence de Lionel Demarate qui est avec nous aujourd'hui. Même si nous parlons, mais le Deridoa. Et puis très naturellement, chef service là, Ouna César. Et nous saluons tout l'autre camarade nous dans le service qui est là. Moi, c'est Jacques Lebelizer qui a souhaité nous passer une bonne fin d'après-midi. Mesdames, mademoiselles et messieurs, avant nous ramasser paquet nous et gagner une histoire, m'a raconté. T'as gagné trois bons amis qui ont marché. Yo avec, yo toutouni à qui yo soudé. Monsieur a marché, yo a avancé et puis arrive au moment avec la retelle dit garde sing good. Et puis toutouni a dit sorti la frame et pas dans poche mais sorti. Non poche mon sorti sortant déjà avec là avec toutouni a commencé font discussion et nèg yo vinn fâché avec là dit m'dou moi 5 goud là et mon quoi l'envoyer pour moi lié et puis toutouni a dit non mon cher c'est dans poche mon terre dans poche mon sorti à la fin soudé arrêté le dit monsieur m'tendez les 5 goud là tomber merci parce qu'on t'a suivi avec attention et merci pour fidélité ou ak patience ou moi pralé m'a quitté non bra papa bon Dieu parce que c'est lui même seul qui capable protéger ou ba la vie ak la santé. Bonjour bonsoir tout le monde, n'a croisé dans l'autre vidéo non pas monsieur Foucault, au revoir à la prochaine. M'ramasse paquet moi cause habitant pas misé la ville m'pralé. Mais, ma p'kito n'a bra papa bonji, parce que c'est lui-même celle qui est capable de protéger ou, ba ou la vie ak la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde, n'a croisé dans l'autre vidéo. Au revoir.